Allez, bonjour à toutes et à tous, c'est ici Selandron pour le 5e épisode de mon let's play sur le jeu Banished saison 2. Alors je vous avais essayé la dernière fois, et on ramait un petit peu au niveau de la carrière, on avait essayé de poser un cimetière. On a pas mal de choses à faire dans cet épisode. Il faut qu'on s'occupe des ressources. Essentiellement c'est des ressources, parce que là on est un peu à la ramasse. Donc je vais relancer le jeu, voilà. On est un peu beaucoup à la ramasse. Ce qu'on va faire, on va récolter l'iron qui est ici. Parce qu'il me faut de l'iron pour cette carrière. On va avoir des problèmes de bois. J'ai peut-être lancé la carrière. Je vais lancer la carrière, en espérant que ça passe. On va avoir quelques petits problèmes de nourriture aussi. Ce qu'il me faudrait, c'est un deuxième crop field. Est-ce que si on met un crop field par ici, avec du cabbage, ça sera bon. Bon, par contre, il va me falloir plus de farmers que prévu. Là, c'est bien, on a des zones de champs. Elles sont un peu au milieu de notre ville, mais c'est pas grave. Ensuite, derrière ça, il faudra qu'on fasse un hôpital pour prévenir les catastrophes de maladies. Parce que ça, je sens que ça va nous tomber sur le coin de la tête. Ah, j'ai des laboreurs qui sont arrivés. J'ai 2 mineurs déjà. On va monter en farmer. Reserve log is low. Qui est-ce qui arrête pas de me bouffer tout mon bois là? Est-ce que c'est pas le blacksmith? Ah non, c'est la carrière. J'ai rien dit. Encore un laboreur. Toc, là normalement on a suffisamment de farmers. Donc il faudrait que je me fasse un hôpital. Un hôpital qui est quelle taille? Cette taille là. Alors ce qu'on va faire, évidemment, on va le mettre comme ça pour pouvoir accéder à ici. Tiens d'ailleurs, est-ce que... Non, c'est où? C'est là. Est-ce que ça rentre dans l'autre sens? Ah, ça se décale d'un. J'ai mal géré mon coup au niveau des champs. J'aurais dû les mettre un poil plus grand. Alors, attendez, est-ce qu'on peut pas mettre autre chose du coup? Un tailor. Non, c'est trop grand. Une taverne. Ah, c'est vraiment trop grand à chaque fois. Cool, non. La chapelle, wow, 130 pierres, c'est énorme. Non, pas un cimetière non plus. Que peut-on mettre qui rentre? Je crois qu'une maison ça rentre, mais bon, c'est bof. Une boarding house, une boarding house, pardon, house, c'est nul, house. C'est pour accueillir des villageois, pas des villageois, des mecs sans abri. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voilà, on est à bout. On est à bout, donc en fait, il faudra que je mette un woodcutter qui va, du coup, prendre un poil trop. Ah, mais pas forcément, du coup, parce que ici, j'ai dit qu'on pouvait pas trop attaquer, étant donné qu'on était proche du cercle de Geyser Hut, tout ça, du cercle de la forêt, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ça me fait penser, est-ce que j'ai beaucoup de liseurs? 12? Ah, j'en ai pas tant que ça. J'en ai pas tant que ça. Oup, op, 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 op. Si, j'en ai 16 en fait. Ouais, c'est pas énorme non plus. Hein. Est-ce que si on pourrait faire un tailor, ça serait cool? Un woodcutter. Faudrait que je fasse un woodcutter par ici. Donc là, ça cherche de l'iron. Là, ça avance bien. Ça avance bien. Bon, j'ai quelques problèmes au niveau du bois quand même. Et du fer. C'est la mine qui produit. Ici, ça embarque tout le fer disponible. Du coup, je pense qu'on va récupérer du fer par ici. Ensuite, ce qu'il faudrait que je fasse... Là, ils sont en train de tout déblayer. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je continue le chemin par ici, que je m'attaque à l'autre côté, de façon à mettre, je pense, une zone de forêt par ici. Faudra que je vire tout le fer et toute la pierre. Je m'attaque, je fais une zone de forêt par là. Et là ici je mets une zone, je mets une grande zone où je pourrais mettre des villes, enfin une ville quoi. Une ville secondaire. D'ailleurs des champs, des trucs comme ça. Ça peut être une bonne idée. Je pense. Oh, on est presque à 8000 en nourriture, ce qui est excellentissime. Alors... Alors... Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Est-ce que là, il me manque de l'iron, tout simplement? Il manque de l'iron. Ce que j'aime bien, c'est qu'il passe tranquille, peinard, alors que c'est bon, il y a un tunnel à côté. Donc, en tout cas, le bois, ça va. Je vais regarder au niveau du nombre de personnes. Ouais, il manque encore un bébé et je peux lancer la construction d'une wooden house. Ah, peut-être que ça rentre pas en fait. Mais si, ça doit rentrer. Est-ce qu'ils peuvent pas faire de nouveaux enfants? Je pense que si. Donc on a un adulte. Tu vas travailler à la mine. Ça y est, j'ai dépassé mon maximum, en nourriture, j'ai dépassé les 8000. Ce qui est complètement pété. Ce qui est complètement pété. Donc là, plus de problème de nourriture, ce qui est très très bien. Produisez combien? Ah, vous produisez que dalle en fait. Produisez que dalle. C'est un peu dommage. Est-ce que je fais plafonner encore? Bon bah je vais plafonner à 9000 puis on verra bien. Parce que là, vraiment on a beaucoup de nourriture. Ah, ils sont en train de s'occuper des champs, c'est très bien. Voilà, donc là il y a un enfant qui est né. Donc hop, on lance la construction de la wooden house. En espérant qu'ils vont pouvoir la construire en attendant. Ah, il reste pas tant que ça hein, de nécessaire ici. Il fait beaucoup d'outils en fait, je n'avais pas remarqué, mais il en fait vraiment beaucoup. Ok, c'est bon, ils peuvent le faire, ça va vite. Donc on a un nouveau laboreur. Toc qui va aller à la mine. Des cabbages. Cabbages, c'est quoi? C'est des courges? Je crois que c'est des courges. Ce qu'il faudrait... Bah, du coup, j'ai mon... La fuel limite à 600. Ça fait combien? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si on considère qu'il me faut 50 de firewood par maison. 60. Ça fait 660. On va mettre 60 par maison et puis c'est bon. Allez, on arrive bientôt au bout. Hop, une nouvelle maison a été réalisée, ce qui est très bien. J'aurais jamais assez de stone pour ici. Est-ce que la stone part quelque part? Je crois pas. Hein. Je crois pas. Allez, vous me construisez ça, s'il vous plaît. J'en ai un peu marre, là, d'attendre ça. Des pommes. Il y a des pommes. Il me faudrait plus de nourriture différente. C'est pour ça qu'il faudrait que je fasse un trading post pour récupérer des nouvelles graines. Ça serait une bonne nouvelle. Allez, 36. sur 40. Et ça pousse pas. J'ai tout rasé. Là ça récolte combien? Ah ouais, ça récolte beaucoup de bois en fait. J'avais pas fait gaffe, mais ça récolte énormément de bois. Ici. Oh la vache, ça récolte beaucoup aussi. Et là, de la venaison. Ah oui, ça récolte aussi beaucoup de venaison. Par contre, je sais pas du tout ce qu'ils font de la lisière. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien en faire? Qui est-ce qui arrête pas de piquer la peau? Il y a un enfant qui est né. Qui est-ce qui pique la peau des animaux, quoi? C'est bizarre. Ah, eux ils ont tout, hein. Niveau nourriture ils sont peinards. J'ai pas vu passer la peau des animaux quoi. 10h22, 8. C'est bizarre. Ah bah ça y est. Donc le fer va pouvoir arriver, et en plus de ça on va avoir de la place pour mettre du monde à la pierre. C'est une bonne nouvelle. Oula, il y a plein d'enfants qui naissent. 47, il va bientôt falloir que je fasse une autre maison. Alors. On va baisser 2, on va monter 2, voilà. Ici, on va lancer la prod. Je voudrais que vous lanciez la production du cimetière. Ensuite, je vais faire un trading post. Ici. Par là en tout cas. Sachant que j'aimerais d'abord peut-être faire le pont. Parce que, attendez, est-ce que ça passe par là? Ah si, ça passe. C'est pas forcément le plus direct, mais ça passe. En plus, je trouve qu'on est suffisamment haut. Oh non, c'est pas forcément mauvais ici. Hein. C'est pas forcément mauvais. On va attendre par contre. On va attendre. Pareil que pour le training post, on va attendre un peu. Pas besoin de trop l'éloigner d'ailleurs. Le training post il est très très cher à faire, donc on va attendre. En tout cas au moins on va le poser quelque part. Donc le cimetière est en cours. Donc on a un nouveau laboreur. Il va aller où? Mineur. Ouais. C'est un peu à la ramasse au niveau des ressources. Surtout que là, c'est des activités qui peuvent les tuer assez facilement. Malheureusement. Parce que c'est un peu des gros idiots parfois. Voire même souvent. Je fasse un hôpital aussi. J'avais dit que je ferais un hôpital, je vais le poser, et mettre en pause. Il me faudrait une schoolhouse pour éduquer les citoyens. Et un town hall. Oh ça c'est cher aussi. Et on aura quasiment fait tous les bâtiments disponibles. Des pâturages, j'en ai pas fait des pâturages, tiens. C'est peut-être à faire. Ah là, 9000. 9000 en nourriture, c'est génial. C'est génial. Allez, finis-moi de construire ce truc. Ça y est, 36 tombes on pourrait faire. Ce qui est largement suffisant. Alors, tout mon bois il part là-dedans en fait. J'ai l'impression que tout mon bois part vraiment que là-dedans. Ah, il est parti dans l'hôpital. Bon, attendez, bon, on va lancer l'hôpital alors. Même si j'aurai jamais assez de pierres. De temps en temps, ça ira bien. Quoique, est-ce que je devrais pas plutôt lancer ça plutôt que l'hôpital ? C'est un peu idiot hein, de... On va plutôt lancer le pont, histoire de pouvoir aller chercher des ressources de l'autre côté. C'était un peu idiot ce que je faisais. Parce que si genre on peut ratiboiser tout ça, on aura pas mal de ressources. Ici je pourrais poser un... ce que j'appelle un centre forestier, et puis ça ira bien. C'est pas mauvais comme configuration, je pense. Je pense que c'est pas mauvais. Ah, food limite maximum, c'est... c'est à la fois cool et à la fois pas cool, parce que j'aime pas atteindre les maximums. Et en même temps... ça veut dire qu'on en a beaucoup. C'est donc une bonne nouvelle. Alors... il faudrait de la pierre que je n'ai point. Ah, laboreur, donc il va aller stonecutter. Physician. Et ben dis donc. Il y a pas mal de choses à faire encore. Mais on va bientôt arriver à tous les bâtiments disponibles créés. Ce qui est cool. Enfin, pas tous. Il va manquer le Taylor, la taverne. Tout ça, j'aurais fait. Il faudra des pâturages. Ici, il faudra une chapelle, une schoolhouse et un town hall. Ici, il faudra une... non, non, c'est bon. Un market. De toute façon, il faudra qu'on le pose de l'autre côté. Et là, il faudra un boarding house. Et on aura réalisé tous les bâtiments disponibles. Ce qui est quand même bien. Et d'ailleurs, au niveau des chemins, est-ce que ça passe par les... ouais, ça passe bien. Là, ça passe par les chemins. Là, ça ne passe pas par les chemins. Je ne sais pas pourquoi ça passe par la flotte. Pas besoin d'y aller. Là, ça passe par les chemins. Là, ça passe pas par les chemins. Là, ça passe par les chemins. Et là, par où ça passe? Par les chemins, par les chemins, par les chemins. Ok. Donc, ça passe plutôt bien. J'ai que dalle en ressources. C'est abusé, quoi. J'ai plus rien. C'est la totale galère. Vous voulez pas creuser plus vite? Il faut plus de ressources, plus vite. Ah, et 25 sur 72, j'avais pas fait gaffe. Je croyais que c'était fini pour le bois. En fait, que dalle. 134 et c'est pas assez. Ah. Les mecs. Je sais pas comment vous faites. On a besoin d'énormément de ressources. Alors... parce que là je peux plus rien construire en attendant que les ressources remontent. Et pour que les ressources remontent, il faut finir ce wooden bridge. Et du coup, comme tout mon bois est passé par ici, je l'ai dans l'os. Ah, un enfant est né. Du coup on est à 48, on va lancer la construction d'une maison, ce qui veut dire qu'on va laisser en pause celui-là. On va construire la wooden house en priorité. Tous les 4, je trouve que c'est pas mal. Ça veut dire que ça fait un couple et 2 enfants. Je trouve que c'est plutôt pas mal, tous les 4 villageois en plus. 48, on est presque déjà au quart de notre objectif, qui est, je rappelle, de 200 villageois. Donc c'est plutôt pas mal. J'aurai jamais assez de bois. Faut vraiment que je débloque ici. Ici, je mets un woodcutter et puis ça ira bien. Je ferai pareil de l'autre côté d'ailleurs, il faudra que je descende, je fasse un pont, je mets un autre woodcutter par là. Oh, tout le fer qu'il y a ici. Truc de fou. Truc de fou. Je mets un autre woodcutter, enfin je déblaye ici. Je sais pas où je vais mettre le woodcutter en fait. Quelque part. Et ici il faudrait peut-être continuer. oui. Ah, oula, ça fait 20 minutes. Où est-ce qu'elle en est à la maison? Elle en est pas loin du tout. J'ai plus rien comme ressource. C'est grave, c'est très très grave. J'ai vraiment plus rien. Oh la vache. J'ai que dalle. Et quand j'ai quelque chose, ça disparaît tout de suite. Mes stockpiles, ils sont à la ramasse. Je vais être à 0, 0, 0. Ah, un laboratoire supplémentaire, tu vas aller Stonecutter. Oh la vache. J'ai vraiment plus rien. Bon, et ben il faudra qu'on règle ça dans le prochain épisode, hein, parce que là, c'est craignos, c'est très 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 craignos au niveau de la... Au niveau de mes ressources primaires, là on est à que dalle, 2, 1, 7, d'ailleurs ça va être vite parti je pense. Donc il faut que je regarde ça, d'ailleurs je n'ai pas fait gaffe mais les herbes je vais les monter un peu parce qu'on est on plafonne. La nourriture elle plafonne pas forcément, elle plafonne de temps en temps ce qui est très bien. Il faudrait que je surveille quand même parce que si ça commence à descendre plus que monter, il faudrait que je fasse quelques petites productions de nourriture en plus. Pour éviter n'importe quel problème. D'ailleurs, je pense que je mettrai un fishing dock par là. Vu qu'il y a de la place et de l'eau. Enfin bref, on verra bien étant donné que on est un peu trop juste au niveau des ressources primaires. Le bois, le fer et la pierre. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde!